Je voudrais sans la nommer vous parler d'elle, comme d'une bien-aimée, d'une infidèle, une fille bien vivante qui se réveille à des lendemains qui chantent sous le soleil. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je voudrais sans la nommer lui rendre hommage, jolie fleur du mois de mai ou fruit sauvage. Une fille bien plantée sur ses deux jambes et qui traîne en liberté où bon lui semble. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je voudrais sans la nommer vous parler d'elle. Bien aimée ou mal aimée, elle est fidèle. Et si vous voulez que je vous la présente, on l'appelle Révolution Permanente. Pour les marins révoltés du Potemkin, les soldats de Crown, pour le soviet pacifiste écrasé à la Fucine, Sappho et Vanzetti, Rosa Luxembourg et Karl Liebknecht, les brigades internationales au secours de la République espagnole, pour les grévistes de 1936, Manouchian, ses 23 camarades, les FTP Moy, pour les résistants, les manifestants piétinés à Charonne et ceux jetés à la Seine le 17 octobre 1961, pour les guerres de libération des peuples colonisés, le Che et ses guerrilleros, les étudiants, les 9 millions de grévistes de 1968 pour Victor Jara, pour les travailleurs en lutte de l'IP, Manu France, Boulogne-Billancourt, les dockers, pour les luttes des femmes algériennes et afghanes, les Indiens du Chiapas et le sous-commandant Marcos, les ouvrières de l'Épée, de Moulinex, les chantiers navals du Havre, de la Ciotat, les cheminots, les étudiants indonésiens, la lutte des peuples palestiniens et kurdes, pour les sans-papiers, sans logement, sans travail, sans droit, sans égalité, liberté, fraternité, pour les enfants qui n'ont pas une vie d'enfant, pour tous ceux qui pensent que les choses ne restent pas ce qu'elles sont et que les vaincus d'aujourd'hui sont demain les vainqueurs.